par une lumineuse journée de mai, le hasard m'avait conduite au pied du célèbre village provençal. Intriguée et poussée par un étrange désir, je décide de gravir les ruelles jusqu'aux ruines du château. Dès le porche principal franchi, je me sens envahie par des sensations bizarres. Le passé du village semble ressurgir à mon passage des vieilles bâtisses. Voilà, à quel prix ? Oh Louis ! Croyez-moi, il faut rétablir les billets à ordre. C'est le seul moyen de relancer l'économie. Oh, pauvre enfant, voilà sa jeunesse. Ça fait la duchesse de Milan. Je ne vous voyais plus, ma chère. Je vous croyais morte. Moi aussi. Oh. Oh, quand partez-vous ? À présent, goûtons la bonne soupe faite aux herbes du jardin. Oui. Oui, mais elle manque de sel. Merci. Vicomte de Lancry. Enfin, c'est ainsi qu'on m'appelait autrefois. Mon épouse. Et ma fille, Émilie. Sade. J'ai été libertin. Oui, tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là, je l'ai fait. Je ne suis pas un meurtrier. Je n'ai jamais bien fait la différence entre la tête et le corps. Il n'y a pas d'idée sans corps et pas de corps sans idée. Tous mes malheurs sont venus de là. J'ai suivi les chemins de traverse quand on voulait m'obliger à la grande route. Le reste, ce sont des ragoûts d'auberge.
En admirant le paysage qui s'offre à moi, je retrouve presque mon calme. Que s'est-il passé aujourd'hui à la Coste? Que m'était-il arrivé sur le parvis du château? Était-ce la chaleur, la fatigue ou autre chose? Ma gamba me fa ma au bout de celle, bout de celle. Ma gamba me fa ma au bout de celle, à Montserval. Ma gamba me fa ma au bout de celle, à Montserval. De celle à Montserval.